Je suis ravi surtout d'être aujourd'hui à Marseille, effectivement, pour annoncer une très bonne nouvelle. On est très fiers, effectivement, de pouvoir renouer avec notre histoire olympique. 100 ans après les derniers Jeux, la flamme olympique va revenir ici à Marseille pour lancer ce parcours du relais de la flamme. Ça va être un très grand moment pour célébrer le sport, célébrer les Jeux, ici dans cette ville qui vibre autour du sport. Elle arrivera effectivement en bateau, et pas n'importe quel bateau, elle va arriver avec le Belém, ce bateau caisse d'épargne qui a été conçu en 1896, l'année des premiers Jeux rénovés à Athènes. Elle va non seulement arriver donc ici dans le vieux port, donc il y aura une proximité immédiate, et puis ensuite elle va sillonner la ville, et comme le veut la tradition, les relayeurs vont s'enchaîner à peu près tous les 200-300 mètres, et donc il y aura de belles images. Toutes les générations pourront porter cette flamme des Jeux pour valoriser et remercier tous les acteurs du sport français. C'est une ville qui vibre pour le sport, la passion du sport, c'est important pour nous. Paris 2024 veut célébrer le sport partout dans le pays, donc c'est important de commencer par une ville où le sport fait partie de l'ADN. Et puis, on veut des images de liesse populaire. On veut que ce soit la fête, et ici à Marseille, on sait faire la fête. Donc ici, vraiment, toutes les conditions sont réunies pour réussir un beau début de relais de la flamme.